Stade du Hameau, 16e de finale de la Coupe de France. Le cimetière des espoirs bordelais dans cette compétition. C'est même a priori la dernière chance d'être européen qui s'envole. Les Girondins, plombés notamment par leur défense, coulent à pic. Bordeaux ne répond plus. Je ressens de la honte pour ce résultat. Aussi, je suis une énorme dette envers notre supporter. Il va falloir se ressaisir très vite, prendre conscience de nos manquements. Les prochaines étapes vont être importantes, Nantes, Marseille. Et il va falloir rapidement montrer un autre visage. Le Haillan, 5 jours plus tard. En apparence, aucune trace de l'élimination à Pau. Les Bordelais se réfugient dans le travail pour enrayer la spirale très négative. 6 défaites lors des 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont 4 consécutives en Ligue 1. Et ce dimanche, c'est un difficile derby de l'Atlantique à Nantes, le 4e, qui se profile. On ne doit pas avoir de doutes, surtout en nous. Je crois qu'on a montré au début de saison qu'on est quand même une bonne équipe. Individuellement, on est très fort. Il faut juste remettre un peu la collectivité en place et retourner sur où on a commencé. Une nouvelle claque ce week-end ferait encore monter la pression avant le rendez-vous toujours historique face à Marseille le 2 février. Plus que jamais, Bordeaux est au pied du mur.